Bonjour les amis, les Vampires-Pyrénées toujours en fête, c'est même la fête foraine dans notre quartier. Alors, je voulais vous expliquer que moi j'ai vécu dans un village où il y avait du chamboultou, ça s'appelle une espèce de boîte de conserve vide et on a une balle et il faut les dégommer pour les faire tomber. Alors le principe ici, c'est pas des boîtes de conserve, c'est trop lourd pour aller sur les chemins, mais on a mis des pots de yaourt. Et du coup, c'est Richard qui va faire la première manche et il va viser du mieux qu'il peut pour les dégommer. Ah, mais souvent, vous voyez, il a l'aide du vent, puis après, il vous dit que c'est lui qui réussit. Oh, mais il a déjà acheté un sort et le vent, il l'a aidé. Bon, je suis obligée de recommencer à les replacer. Alors, ça va démarrer après. Ah, le coquin, il a pas, ça fait 10 minutes que c'est prêt, il n'a rien fait. Et là, maintenant que tu joues, il est en train de t'aider, mais il n'a pas besoin. Allez, Voilà. Alors, on va compter les points. Ah, mais dès que t'en parles, ça y est. Ah, mais non, hein. Qu'est-ce que c'est que cette triche-là? T'es pas d'accord, moi? Non, mais non, mais. Bougez pas, attendez que je. Allez, hop, Non, attends, il faut que je prenne la calculette pour compter les points. Parce que, quand même, regardez, j'ai pris la calculette, hein, faut quand même pas en faire n'importe quoi. Vite, ça y est, l'arbitre. Il a bougé. Ah, mais oui, parce que ça vibre dès que je passe à côté des bottes de paille, là. C'est l'herbe séchée. Regardez! Ah, voilà, t'en as plus, t'as plus de munitions, il y en a encore. En fait, tout non, est tombé. C'est petit, hein. C'est vrai. Tu vois? Sinon, on va le perdre. Vous savez avec quoi on vise? Avec quoi tu vises? Ah ben, on n'a pas montré avec quoi on visait, Richard. Va chercher tes munitions, elles sont parties où? Moi j'ai les gros, il manque les petits. C'est facile. Hein. Les petits, et ben voilà, montre voir ce que tu as. Il y en a un autre qui est parti à gauche là-bas. Moi je vais jouer à mon tour, il faut que j'ai mon compte. Hein. Voilà, c'est des noyaux d'avocat que j'ai fait sécher, éplucher, et ça sert de projectile, et ça coûte pas cher. Ça sert de baballe. Bon, écoutez, on remet la situation en place et puis moi, je vais le préparer. On vous montre la deuxième manche. Hein. On va préparer la suite. À tout de suite.